Donc what's up les potes, c'est Super Lobbyman. Donc aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 pour vous montrer les voitures du patch 1.14. Donc excusez-moi pour ma voix mais je suis un peu énervé. Donc c'est... Ah il y a des nouvelles voitures. Donc c'est nouveau comme vous pouvez voir, maintenant on peut voir que ça joue. En tout cas je sais pas pourquoi il y a la police. Mais en tout cas c'est stylé parce que maintenant on peut voir la police. Et je crois qu'avant on pouvait pas voir, je sais plus. C'est un bug, j'ai pas joué. Il y a des nouvelles musiques, en tout cas c'est une nouvelle voiture de police en tout cas. Et c'est super. Donc on va customiser cette caisse le plus rapidement. Alors c'est la Vulcar Warning. Enfin, pas Warning, mais je sais pas. Alors, voyons le capot. Enfin, c'est par choix. Pas d'intérêt. Cette caisse, c'est un monstre. Quand vous la tunez au max, c'est un monstre. Admirez ce monstre magnifique. Elle est magnifique. Magnifique. Donc ça va pas passer. Voilà, excusez-moi si je parle pas trop, mais je suis un peu énervé donc. Enfin, ça m'énerve tout simplement que j'ai pas eu reçu... que j'ai pas reçu mon matériel. J'ai commandé et je suis encore avec mon portable à faire des vidéos. Ça me saoule. J'ai une mauvaise qualité. Je sais pas si vous voyez bien la voiture. Enfin voilà, c'est chiant. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vous abonner à ma chaîne. Je suis un débutant, donc 5 abonnés, c'est super. Si on peut aller jusqu'aux 40 abonnés, ce serait énorme. La gueule qu'il a Franklin, quoi. Allez, parti, pour une autre. Donc j'espère qu'il y aura d'autres voitures plus jolies, parce que là on a vu celle-là, elle est belle. Sauf que l'aileron, j'aime pas trop l'aileron, mais après sinon ça va. Le klaxon, bon, il y a des nouveaux klaxons, mais ça sert complètement à rien. Parce que... Il s'énerve.
Ok, on va faire la blade. La blade. Donc, je sais pas ce que c'est la blade. On va voir ce que ça donne. Alors, la voiture, elle est dégueulasse. Regardez. Le devant, il est plus haut que le bas. On dirait une voiture qu'on a trouvée dans la déchetterie. Là. Enfin, de mon avis, enfin voilà. Enfin bref. On va voir quand la custom ce qu'elle donne. Putain, un camp de bus de merde là. Donc là, je viens voir une nouvelle. Putain, chou. Donc il y a les nouveaux trucs, je vois. Vêtements à nouvelle gamme. C'est pas haut de gamme, c'est vêtements nouveau haut de gamme. Je pense que c'est les nouveaux vêtements du patch 1.14, mais ça vous allez découvrir vous-même. Moi je vous montre les voitures et basta. Je peux pas faire plus que 19 minutes. Et si je fais 19 minutes, à peu près le téléchargement pour mettre ma vidéo sur ma chaîne, ça sera trop long. Ouais, excusez-moi, et je peux pas couper. J'ai essayé, mais ça marche pas. Donc on fait ça, voilà. Donc je sais pas pourquoi. Ça me fait rire parce que on dirait qu'on est à la vraie vie. On voit la police arrêter des gars. Enfin, c'est épique. Ce jeu est tellement bien fait. Il y en a qui disent pour GTA 6 qui sort l'année prochaine. Rêvez pas. Il sort 2016-2017. Donc vous attendez pas à avoir GTA 6 l'année prochaine en 2015. Ça fait que 6 mois qu'il est sorti, GTA 5. Ah, t'es moteur. Donc. Le capot, il est deg. Le ça, c'est deg. Ah, enfer, je voulais avoir ça. Ça, je sais pas ce que c'est dégueulasse. Donc, c'est trop beau, ça, voilà. Le klaxon, voilà. Attends, ce putain de klaxon de merde. Donc, ma peinture, on va la mettre. Admirez ça. Bon, customisée, elle est plus belle. Mais j'aime pas quand même. J'aime pas. Mais bon. C'est la vie, hein. On peut pas dire si on aime ou pas. Ouais. Vous pouvez voir le soleil, ça fait une putain de vue sur la voiture. En tout cas, elle va très vite. Donc, j'ai eu chaud. Ça, c'est bien rouler. Je trouve que ces voitures, c'est pour les dealers. Je sais pas pourquoi, mais vu la carrure qu'elle a, la voiture, enfin la forme, et je sais pas, c'est pas fait pour Michael et Franklin et Trevor. Je sais pas pourquoi, mais non. Pas pourquoi. Ta gueule! Connard. Excusez-moi de mon langage, mais dans ce jeu. C'est la vie! Mais ce jeu, c'est de la merde quand même. Enfin bref. Allez, on va faire une autre caisse. Donc ça fait déjà 10 minutes. En 10 minutes, on a fait qu'une caisse. Non, en,
En 9 minutes, on a fait 2 caisses. Vous voyez le délire? Donc, ça passe pas vite. Ça passe très vite, en fait. Je trouve que ça passe très vite. Mais pour les voitures, ça passe pas vite. Donc, je pense qu'on n'aura pas tout le temps de faire toutes les voitures. Mais vous ferez ce que vous voulez. En tout cas, je vais pas faire plus de 15 minutes. Je vais faire 14 minutes et quelques. Donc, il nous reste que 4 minutes. C'est quoi cette voiture? Mais putain, mais franchement, c'est quoi ces caisses qui nous donnent, quoi? Enfin, j'aime pas ces caisses. On n'a pas des caisses plus sportives à part des berlings à chaque fois, c'est soudain, forcément. Enfin, je sais pas c'est quoi votre avis, mais bon, en tout cas, c'est pas mon style. Aussi. Bon, c'est pas grave. On va prendre ça, allez. Donc on va arrêter à cette voiture, je pense. Donc il y a une course ici. Voilà, je sais pas c'est quoi. Donc il y a des courses maintenant là. C'est nouveau. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas. Et je m'en fous. La voiture est bien pour les dérapages, mais par contre, la forme de la voiture est dégueulasse. On dirait les... Je sais pas s'ils ont repris les voitures de San Andreas, mais on dirait que c'est ça. Franchement, ouais. Ouais, je prends des couleurs comme ça au hasard. Ah ouais, carrément. Et là, ce qu'ils nous mettent. Des bagages. On va prendre ça, hein. Une voiture customisée au max, ah oui, avec des bagages. Tout à fait logique. Enfin, bref, coffre. Pourquoi on pourra ouvrir un coffre maintenant? Nouveau ça. Mais dans une voiture de camping. Customisée un max, quoi. Regardez ce truc. Même les phares. Donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, vous pouvez mettre un like et un petit j'aime, ce serait super cool. Donc sur ce, je vais vous laisser et bye bye tout le monde.